tous, c'est François de la chaîne Tutio et News. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire voir comment vous pouvez aller retrouver les mots de passe que vous avez déjà enregistrés dans votre trousseau iCloud. Et du coup, bah, vu que vous ne les retapez pas souvent, vous savez plus ce que c'est. Et vous allez voir, c'est assez simple d'aller les retrouver et c'est aussi très pratique. N'oubliez pas donc, si la vidéo vous plaît, de vous abonner, de la partager et de lâcher un petit pouce et de mettre éventuellement des commentaires auxquels je pourrai répondre si j'ai la réponse. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Alors, on se retrouve sur mon iPad, mais vous pouvez tout à fait le faire de votre iPhone. Vous allez aller donc sur l'icône réglage. Une fois que vous y êtes, vous allez faire un slide vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez donc l'onglet mot de passe et compte. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous voyez qu'en haut à droite, ce qui va nous intéresser, c'est mot de passe, web et applications. Alors là, vous voyez par exemple que moi j'en ai 79 d'enregistrés. Vous allez cliquer dessus. Et là, il va certainement vous demander de vous identifier par Touch ID, par Face ID ou par le biais de votre mot de passe iCloud. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez arriver sur la page avec donc tous les sites sur lesquels vous avez enregistré donc un mot de passe dans le trousseau. Donc vous pouvez voir que j'ai noirci donc les adresses mail, elles peuvent être toutes différentes. Donc là, vous allez choisir celle que vous voulez. Nous, on va prendre la première, AquadelBA. Et là, tout de suite, vous voyez qu'en haut, donc figure nom utilisateur, donc c'est là votre adresse mail. Ensuite, juste en dessous, bah, vous avez le mot de passe que vous aviez mis précédemment. Vous pouvez également donc aller changer le mot de passe pour ce site, donc dans l'onglet changer le mot de passe du site. Et il vous spécifie aussi un peu plus bas combien de fois vous avez utilisé ce mot de passe sur d'autres sites web. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis qu'elle aura pu vous aider à retrouver des mots de passe que vous aviez oubliés. Et je vous dis à plus tard, c'était François, ciao.